Mesdames et messieurs, chers compatriotes, créée le 27 mai 1969 par l'Union internationale des télécommunications, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a été instituée dans le but de sensibiliser l'opinion aux perspectives couvrant l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. C'est pourquoi la communauté internationale célèbre cet événement le 17 mai 2021, la 50e édition, sous le thème « Réduire l'écart en matière de normalisation ». Ce thème, comme ceux qui ont sous-tendu les précédentes éditions, s'efforce de répondre à la problématique sur l'accélération de la transformation numérique dans le cadre d'initiatives nationales, régionales et internationales, afin d'en réduire la fracture entre d'une part les pays membres et d'autre part la population. Mesdames et messieurs, dans ses dernières publications de 2018, l'UIT rapporte que la situation mondiale et régionale des TIC relève que 51,20% de la population utilise l'Internet. La moitié de celle-ci est toujours laissée pour compte. Aussi, faut-il trouver des moyens innovants de rendre inclusive la quatrième révolution industrielle. Chers compatriotes, comme nous le savons tous, la crise liée à la pandémie à coronavirus Covid-19, dont les effets continuent d'impacter durement les économies mondiales, régionales et nationales, a rendu indispensable le rôle de catalyseur que jouent les TIC afin d'assurer la continuité du fonctionnement des sociétés. Aussi, l'accélération de la transformation numérique pour couvrir les besoins en technologie d'information et de la communication est-elle devenue une urgence pour les pays membres et les acteurs du secteur? Et le Congo, mon pays, à travers le Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, a trouvé là un instrument pour connecter les zones blanches et ainsi assurer l'inclusion numérique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la définition de normes focus de cette édition 2021 est un pilier essentiel de la mission de l'Union internationale des télécommunications. En tant qu'institution spécialisée des Nations unies pour les technologies de l'information et de la communication, vous voulez vous connecter à l'Internet, suivre une retransmission sportive à la télévision, écouter la radio dans votre voiture ou regarder une vidéo sur votre smartphone ou encore suivre les cours en ligne grâce aux normes élaborées par l'UIT. Tout cela est possible. Les normes élaborées par l'UIT garantissent l'interopérabilité, permettent la mise en place de marchés mondiaux et stimulent l'innovation et la croissance. Elles profitent aux pays développés comme aux pays en développement. Elles contribuent à accélérer l'utilisation des TIC pour atteindre tous les objectifs de développement durable. J'invite les acteurs du secteur privé, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, et les établissements universitaires, ainsi que toutes les parties prenantes, à appuyer le programme de l'Union internationale des télécommunications, à savoir réduire l'écart en matière de la normalisation et à œuvrer pour la prospérité et le bien-être dans l'intérêt de tous. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la crise liée au Covid-19 a non seulement souligné le rôle essentiel que jouent les technologies de l'information et de la communication afin d'assurer la continuité du fonctionnement des sociétés, elle a aussi mis en évidence les inégalités flagrantes entre les pays et au sein des pays dans le domaine du numérique. Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 a souligné combien il est urgent d'accélérer la transformation numérique. Cette édition de 2021 offre aux membres de l'UIT dans notre pays, fait partie, la possibilité de continuer de stimuler
la transformation numérique en promouvant des stratégies nationales relatives au développement des TIC, des politiques intelligentes visant à encourager les investissements, la coopération et les partenariats. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au moment où nous célébrons cette journée, permettez-moi de rappeler ici une avancée enregistrée par notre pays récemment pour ne pas être trop exhaustif. En effet, il y a quelques mois, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA en sigle, et notre pays ont signé un accord visant la création au Congo, à l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele, d'un centre africain de recherche scientifique consacré à l'intelligence artificielle visant à entreprendre des recherches de pointe en vue de développer des outils, produits et services basés sur l'intelligence artificielle. Ce protocole d'accord a été paraphé le 3 mars dernier à Brazzaville entre les ministres des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, de l'Enseignement supérieur et la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à qui je tiens à rendre ici un vibrant hommage pour l'accompagnement qu'elle apporte à l'accélération de la transformation digitale dans notre pays. En effet, le Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle permettra non seulement à notre pays de bénéficier d'une structure de pointe en matière de formation de nos jeunes, mais aussi de promouvoir une collaboration étroite entre le monde universitaire et les industries dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique, et enfin de consolider la coopération internationale pour un accès inclusif à l'intelligence artificielle et aux innovations numériques. C'est pourquoi, au moment où notre pays prend la présidence de l'Alliance Smart Africa pour les deux prochaines années, la problématique de cette année choisie par l'IUT, celle de la normalisation, trouve un écho particulier pour le gouvernement et son chef, M. Anatole Koliné-Makosso, dans la volonté affichée dans le programme gouvernemental Ensemble, poursuivant la marche vers le développement, est de faire du numérique un levier majeur pour la diversification de notre économie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le thème de cette année permettra aux membres de l'UIT de réfléchir aux avancées dans le secteur des TIC, propres à faciliter le passage à un développement intelligent et durable. Il mettra en avant les solutions concrètes reposant sur les TIC et les tendances qui se font jour pour promouvoir la durabilité sur les plans environnemental, économique et social, afin de contribuer à la réalisation des 5 objectifs stratégiques du programme Connect 2030. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous vivons à l'ère du numérique, où les frontières traditionnelles entre les mondes physiques et virtuels se réduisent. Il est aujourd'hui admis de tous que le développement numérique est un catalyseur du développement durable. Afin d'en concrétiser pleinement les avantages, il est impératif d'encourager le développement harmonisé par l'adoption de normes standards. En ce qui concerne notre pays, les efforts du président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de l'Alliance Smart Africa, à qui je rends un vibrant hommage pour la confiance renouvelée en notre modeste personne, mérite davantage l'accompagnement de la communauté internationale des technologies de l'information et de la communication. Créé en 2013 à Kigali, au Rwanda, l'Alliance Smart Africa est une organisation qui compte aujourd'hui 31 pays et qui se fixe pour mission de connecter l'Afrique et d'aider les pays membres à atteindre les objectifs de développement durable ODD par un usage optimal des technologies de l'information et de la communication. C'est un engagement des chefs d'État et de gouvernement africains
visant à accélérer le développement socio-économique durable sur le continent en introduisant l'Afrique dans une économie de la connaissance grâce à un accès abordable au très haut débit et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. En ayant choisi de confier la présidence du Conseil des ministres en charge des technologies de l'information et de la communication et du numérique à ma modeste personne, les pays de l'Alliance témoignent là de la considération et de l'engagement du chef de l'État à travailler pour la concrétisation de la vision de l'organisation qui a placé les technologies de l'information et de la communication au cœur des programmes de développement socio-économique et à impulser le développement durable via l'éthique. Je tiens à les remercier chaleureusement. Pour terminer mon propos, je voudrais saisir l'opportunité que m'offre la célébration de cette journée pour exprimer toute la gratitude de l'État congolais et de son gouvernement à l'Union internationale des télécommunications dont le soutien et les différents appuis à notre pays sont très appréciables. Les remerciements de l'État congolais et du gouvernement vont également à l'endroit des acteurs et partenaires du secteur des TIC au Congo, tout en les encourageant à redoubler d'efforts, à tirer toujours davantage de profit du rôle catalyseur que doivent jouer les technologies de l'information et de la communication dans leur œuvre de promotion des TIC, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Vive la Journée mondiale des télécommunications, vive la coopération internationale dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, ainsi que du numérique. Je vous remercie pour votre attention.